Bien que l'on soit à la Tissot Arena, non, on ne va pas parler de sport, mais on va parler d'une action mise sur pied pour la troisième fois avec le HCBN qui propose eh bien, une action don du sang. Plus spendet, das ist die dritte Ausgabe, organisiert von mir als Zivil und sehr viele Leute haben am Tag geworden und denkt, hey, jetzt gehen wir ebenfalls für den guten Zweck, kommt Blut spenden. Alors, Quentin a une petite spécificité par rapport aux autres. Il porte le numéro 1, number 1, c'est un petit Quentin. Pourquoi le numéro 1? C'est la première fois que je viens donner du sang ici au HCBN et la première fois que je donne du sang tout court aussi. Ok, also das erste Mal, dass er hier kommt für Blutspenden im Rahmen von der Aktion von mir Zivil, aber auch das erste Mal lebenslang, dass er jetzt vorbeikommt. Alors, est-ce qu'on est un petit peu tendu? Oui, quand même. C'est assez impressionnant de voir tout ce monde et toutes ces installations. Peur de la picouse? Ça va. Ok. Alors, on vient de gestochen, mais je crois qu'il n'y a pas de angst. Alors, est-ce qu'on est schon gut? Ça peut être le début d'une longue suite de don du sang? Probablement, oui. Mm-hmm. Oui. Ben justement, dans le formulaire, c'était demandé si on voulait continuer à en donner. Moi, j'avais rempli que oui au centre de Bienne, en tout cas. Ok. Alors, number one, sicher nicht das letzte Mal, dass ein Meter hier dabei ist. Es wird alles gut laufen, 4 Deziliter, und das wird sicher ganz, ganz gut. Alors, passer de bureau du secrétariat du HCBN à un rôle ici ben d'infirmier, mais c'est un petit peu temporaire, c'est ce que fait Dominique Wiesbrot. Dominique, sorry, mais je suis gerade zurück, darf ich schnell? Ist gut. Dominique ist meistens ja, Sekretariat vom HCBN tätig. Und jetzt, liebe Anne, aber total einen langen Job hast du auch, den Blut spenden? Nein, ja, nicht Blut spenden. Ich gehe jetzt gerade in die Ferien und ich wollte nichts riskieren. Mhm. Aber als der Aufruf kam, sie brauchen Hilfe, habe ich mich sofort gemeldet. Und es ist wirklich affecht dort durch. Jetzt sind wir hier seit ein paar Minuten. Die Leute kommen zu uns, haben Freude und es ist eine gute Sache. Ok, donc effectivement, lui, mais il n'a pas donné son sang. Luc, nous, petite âme, il ne donne pas son sang parce qu'il va partir en vacances, donc voilà. Mais ce qu'il a fait, en tous les cas, c'est répondre à cette attente eh bien, du don du sang, une affaire de cœur, comme il le dit, de se dire, allez, je laisse de côté les affaires administratives d'HCBN pour me transformer en infirmier. Bon, alors, il n'y a pas d'âge pour donner son sang. Also, ich glaube, jeder kann ja mitmachen. Wie viele Mal bist du am Blutspenden? Das wäre jetzt das dritte Mal. Also, danke, HCBN. Nein, ich gehe auch sonst spenden, ja. Also, warum vor drei Mal hast du dich entschieden zu sagen, ich will jetzt Blut spenden? Du dis, c'est la troisième fois que tu donnes ton sang. Pourquoi hast du une fois décidé, ouais, en premier lieu, une fois de donner ton sang? Weil ich selber bei der Geburt recht viel Blut habe verloren, zum Glück keine Blutspende habe gebraucht und durch das halt weiss, dass Leute Blut brauchen und ich da ich kann spenden, das auch machen. Ja. Alors, c'est peut-être un signal aussi qui a été donné à cette dame qui avait besoin une fois ben, de sang, enfin, elle a perdu elle-même beaucoup de sang, elle n'a par chance pas eu besoin de faire appel au don du sang, mais c'est peut-être aussi parce qu'elle a sensibilisé à ça. Also, bist du sicher, dass nur das der Grund ist oder ist nicht der Grund wegen dem Sandwich und das Ding hier, das man bekommt am Schluss? Selbstverständlich auch wegen der Toblerone, die ich bekomme. Eh oui, il faut savoir que quand on a fini de donner son sang, on reçoit un sandwich et ceci. Ça vaut la peine. Certainement un homme et une équipe qui sont heureux de constater qu'aujourd'hui, ben, c'est un vrai succès. On joue à guichet fermé dans le cadre du don du sang au Putschpente, ausverkauft, Tissot Arena, c'est letztes Mal à Dern Fluri, als Leiter Marketing Communication. Das ist, ja, un Erfolg, kann man sagen. Aber c'est un succès en tant que responsable marketing et communication de voir autant de gens qui se sont annoncés. Wie viele Leute sind sich angemeldet? Ja, wir haben über 170 Anmeldungen. Das ist sensationell, dass wir sie überwältigt von den Fans vom EHC Biel, dass sie so solidarisch sich für das Blutspenden einsetzen. La solidarité, effectivement, qui est là aussi, qui est l'apanage des fans du HCBN, 170 personnes, et c'est un record, c'est la troisième édition. Wie kann man sich das erklären? Ça geht nicht nur für die Fans vom EHC Biel, aber dass immer ein bisschen mehr Leute kommen, die Blutspenden. Comment est-ce qu'on peut s'expliquer qu'il y ait cet engouement pour faire des dons de sang? Ich glaube, die Sensibilisierung hat gewirkt. Die Leute haben begriffen, dass Blut nicht künstlich hergestellt werden kann, wie wichtig die Blutspende ist.
Und der EHC Biel ist eine Erfolgsgeschichte, nicht nur auf dem Eis, sondern auch beim Blutspenden. Effectivement, je pense que cette sensibilité, bien déjà de savoir que bien que le sang, effectivement, c'est une denrée rare qu'il faut essayer de faire en sorte, eh bien, de procurer à des personnes qui malheureusement en ont besoin. Et le succès de cette manifestation va aussi, eh bien, à la rencontre du succès du HCBN. Das wäre sehr viel sehr heutig. Rendez-vous samedi un mot net auf dem Eis, sondern nach dem Eis mit Blutspende Aktion vom EHC Biel. C'en est tout pour cette émission. Bonne semaine à toutes et à tous et à bientôt.